ask you what part of the country you come from. I originate from Canada. I guess where that is. Well, I know where Canada is. I've been there myself. Well, travel for a slave. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man, lived with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped, sold into slavery. So it's so great to be here today, actually. C'est fantastique d'être ici ce soir. And to open this film that we are all so deeply proud of, and to Paris and to a French audience is really remarkable. So thank you for being. De présenter ce film dont nous sommes si profondément fiers de le présenter ici en France à Paris, c'est quelque chose de remarquable. For me, this film. Alors, tu peux donner tes impressions par rapport au film, s'il te plaît. Je trouve que c'est un film très bien fait, très intéressant, très fidèle au récit de départ. Et je trouve qu'il est important parce qu'il esthétise bien cette condition noire, en fait, cet esclavage à l'écran. Je pense qu'il était temps de réfléchir un peu à ces questions de représentation, à ces questions de mise en scène et à la diffusion de toutes ces histoires. Voilà. Donc je trouve que c'est bien fait, il est très dur, mais il est fidèle à la constitution telle qu'elle a existé aux États-Unis. On voit les noirs, on peut soutenir, et il y a quand même un gros travail artistique dans la mise en scène, dans l'esthétique, comme je l'ai dit, dans la façon de filmer les corps, et les corps noirs en l'occurrence. Et ça, c'est encore rare, et c'est très bien fait. C'est pas qu'un film, c'est pas un film simplement militant, parce que je pense que Steve McQueen, il a quand même montré ce soir qu'il a. Il n'avait pas peur de prendre position sur cette thématique, mais il y a quand même un parti pris artistique qui est très beau. And so, just ready, it's kind of incredible. The confidence and poise and prep is really impressive. Vas-y. Très beau film. Rien à dire, le jeu des acteurs, très bien. Très émouvant. Les longueurs sont parfaites pour vraiment faire comprendre que le temps passe extrêmement lentement et que les situations sont plus elles tardent et plus elles sont dures à vivre, et voilà, c'est vraiment la longueur des plans séquences, c'est vraiment magique. Ben, c'est un très beau film, c'est une œuvre qu'on vient de voir, et c'est un film important aussi, voilà, qui a du sens, qui nous permet de comme l'a dit, comme l'a très bien dit le comédien, en fait, ça nous permet aussi de comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et il faudrait qu'il y ait plus de films sur ce sujet-là. Ça fait partie de notre histoire en tant que Français. Et c'est important d'aller creuser aussi dans ce passé. Et puis voilà, d'essayer d'avancer. Alors c'est un peu difficile d'en parler comme ça à chaud, oui. Parce que c'est... On reste c'est encore avec une émotion, voilà. qui reste un peu longtemps. Un truc qui... comme s'il donnait un truc à manger, mais ça passe doucement, très très doucement. C'est une épreuve, mais je suis contente de l'avoir vu. J'avais des petites appréhensions parce que c'est toujours, je sais que ça va fouiller dans une histoire qui est assez douloureuse, qui me touche aussi plus particulièrement parce que je suis d'origine antillaise. Mais voilà, je suis contente de l'avoir vu et vraiment beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui ont bossé. Bravo. Et à commencer par le réalisateur. Bravo. Bravo Steve McQueen. Vraiment, vraiment. Et un film avec au moins un aperçu du contre-champ. Vous savez, c'est toujours ces films où on voit les gens mettre des fouets, mais on voit jamais le contre-champ. C'est un film avec un contre-champ. Ça veut dire que c'est rarement filmé comme ça, c'est toujours avec des complaisants généralement. Et là, il y a le film. On le voit comme ça, et on le voit comme ça. Voilà. Et ça, c'est un film avec un contre-champ comme ça, que ça fait du bien, parce que c'est toujours gentil. Et là, franchement, moi j'ai pris une claque, une bonne claque. D'ailleurs, on est très très. À un moment, on est un petit peu. Pas très bien dans le film. Parce qu'on a ce côté, d'un seul coup, on regarde, on est dans la salle et on fait. Quand même.
Moi, ça, il y a eu ce moment-là, quoi. C'est là, faut que j'aille vite voir un dessin animé ou un truc comme ça, parce que faut qu'on se... faut rejeter ça. Mais c'est incroyable. On a pris vraiment une claque dans la gueule dans ce film, et je le dirais vraiment bravo. Bravo, Simacou, bravo les comédiens, et bravo de nous avoir fait ce super cadeau. Bravo. Oh, pick this cotton. Pick this cotton. Oh, pick this cotton. Oh, pick this cotton. C'est un film qui est un choc très puissant. D'abord du matériau, du roman autobiographique, enfin de l'autobiographie sur laquelle est basé le film, qui raconte donc l'histoire de Salomon, cet esclave né, enfin pas né, mais libre en tout cas, vivant près de New York, capturé. Dans le cadre d'un trafic d'esclaves, est vendu dans le sud des États-Unis comme esclave, et il a vécu un enfer pendant 12 années. Et cet enfer, il nous est restitué avec une cruauté, une humanité et une justesse qui, pour moi, jusqu'à présent, n'avait pas été vu au cinéma. Dans tous les films traitant de l'esclavage ou de la traite, c'est pour moi le film qu'on attendait, que j'attendais en tout cas, qui est à la fois un film puissant du point de vue de la restitution historique, du témoignage historique, et puissant en termes esthétiques, parce que Steve McQueen, c'est un très très grand metteur en scène, et c'est tout simplement un chef-d'œuvre. C'est magnifique, les acteurs sont sublimes. Enfin, j'ai un peu de mal à en parler parce qu'en fait, on se prend. Faut aller le voir. Les âmes sensibles comme moi, c'était super. Très réaliste et du coup, par moments très difficile à supporter. Très émouvant. Je pense qu'il est pas, c'est pas vraiment facile du coup à voir ce genre de film, mais c'est vachement important pour tout le monde, pour l'histoire entière. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est le fait que genre Lupita, je l'ai connue dans une série Sugar, donc quelque chose un peu plus complètement différent. Et là, on la voit dans un autre cadre, et je trouve que c'est, elle joue très bien son rôle, et même si elle a pas forcément le rôle le plus important dans le film, elle est très marquante vu l'histoire de Patsy. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est qu'effectivement il proposait une vision de l'esclavage de l'intérieur, et il proposait une vision des esclaves qui n'étaient pas déshumanisés. Parce que c'est vrai que généralement on a une vision assez massive avec des groupes de personnes nombreuses, et on n'a pas forcément leur vécu et leur ressenti par rapport à l'horreur des esclavages. Et là le film prend le temps de s'attarder sur les détails les plus tragiques, mais avec une vraie empathie, et je crois que c'est vraiment une contribution inestimable sur l'esclavage. Et j'ai aussi été j'ai trouvé bien ce que disaient les membres, enfin les acteurs notamment, je crois que c'est l'acteur principal qui disait ça à la sortie du film, en expliquant que cette histoire-là, l'esclavage puis la colonisation, avait complètement défini les rapports des pays actuels et les relations internationales, et notamment la figure des pays dits occidentaux. Donc ça, c'était vraiment extrêmement juste et extrêmement fort.